champion, Lydia Dallaire. Avant de commencer, j'aimerais donner un trigger warning. Je vais aborder le sujet du viol et je pense que c'est important qu'on soit conscient de ce qu'on va entendre et qu'on ait l'occasion de quitter si on n'a pas envie d'entendre parler de ça. Ce soir, les mots coulent par flots. Mon corps est un territoire où là, au creux de mes côtes, ça déchire d'éclairs, de tonnerres, d'une tempête dont les vieux bateaux ne reviennent pas. C'était à temps. J'ai voulu le frapper de questions. Sais-tu que j'ai peur de me coucher le soir? Sais-tu que je carbure au club café juste parce que taille ça? Sais-tu que je deviens une junkie de la distraction lente? Sais-tu que tu m'as légué une distance permanente, une absente présence? Sais-tu que je peux plus regarder un miroir sans me défenestrer par mes yeux? Sais-tu que tu as pigé dans mon intimité, comme dans un tribut de guerre? Sais-tu que j'ai pensé un instant à m'épiler tout le corps pour plus ressembler à ce que tu t'en rappelles? Sais-tu que j'ai changé de shampoing parce que mes douches sentaient les lendemains de toi? Sais-tu que ton sexe m'est plus violent que n'importe quelle matraque, que les coups de hanche frappent aussi dans la tête? Sais-tu le nombre de fois que j'ai eu envie de te gueuler tout ça? Moi, je sais. Moi, je le sais. Je sais que je le ferai pas. Car ce soir, je suis ici et tu ne m'entends pas. Et que bientôt, je ne voudrai plus frapper. Parce que je parle. Bien, everybody. Toujours.